Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour LudiWorld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de livraison. J'ai reçu pas mal de LCG depuis la semaine dernière. J'avais pas fait de vidéo quand les produits étaient arrivés au compte-goutte. Mais voilà, donc j'ai regroupé un petit peu les LCG qui sont sortis la semaine dernière et cette semaine. J'ai reçu des nouveautés mais aussi du réassort sur des anciennes références comme Lord of the Ring, l'extension Saga The Land of Shadow. Donc voilà, c'est sorti depuis un petit bout de temps. Je voulais vous faire voir ça avec The Dread Realm qui était un des derniers packs de sortie. Je voulais vous faire voir ça donc pour vous montrer que je peux avoir sur commande du Lord of the Ring. Ça c'est des produits pour un client justement. Voilà, toutes les nouveautés, je les ai en temps et en heure, mais les anciennes références, si vous en voulez, n'hésitez pas à me les commander. Je les mets sur le site régulièrement quand on les demande. Et voilà, je peux avoir tous les produits qui sont disponibles sans aucun souci. Il y a juste beaucoup de références. Donc sur Lord of the Ring et sur Star Wars, par exemple, j'ai un petit peu de retard au niveau création de références, mais ça arrivera. Pour Conquest, donc j'avais reçu le deuxième pack du deuxième cycle en anglais, le voici ici en français, ça s'appelle Une haine sans borne. Pour Star Wars, j'ai le dernier pack avec les petits Ewoks, c'est Nouvelles Alliances, je l'ai en anglais et en français. Donc ça voilà, c'est disponible tout de suite sur le site. J'ai reçu ici la montagne de paquets du Trône de Fer. C'est la route de Winterfell, donc c'est le deuxième chapitre du cycle Westeros. Il était très attendu, comme le premier d'ailleurs, hein, ce pack-là. Je vais vous faire voir, allez, pour la peine, la petite couverture, même si on l'a déjà vu à maintes reprises sur Internet. Mais voilà, enfin, on l'a entre les mains. Toc. Donc, tous les précommandes, toutes les commandes, etc. Sont déjà partis à l'heure où je vous parle. Les abonnements aussi, évidemment. Donc, il y a eu un tout petit peu de retard à cause d'une erreur de livraison. Mais bon, voilà, normalement, ça devrait plus arriver. Donc, ça y est, il est sorti. Le premier pack Netrunner Kalagoda du nouveau cycle Moonbad est également arrivé en anglais. La VO arrivera sous peu. Je vous ferai une vidéo de présentation des cartes, carte à carte, sur ce pack-là. Et on regardera aussi en même temps le pack Game of Thrones. Je continuerai à faire des vidéos de déballage. Là, c'était juste pour vous faire voir que c'était sorti. C'est sorti déjà depuis un petit bout de temps. Le dernier Saddleback Doomtown Full Play. Donc avec toutes les cartes de l'extension en 4 exemplaires. Il y a déjà un autre pack qui va pas tarder à arriver. Celui-là avait du retard et celui d'avant un petit peu d'avance. Donc je suis pas sûr de vous faire des vidéos de déballage sur ces produits-là. Il y a un rythme voilà, qui est un petit peu trop rapide. À mon goût, en tout cas, il est disponible. Et j'ai reçu, alors c'est pas un LCG, mais c'est un super petit jeu de cartes quand même. C'est Star Realms qui est enfin disponible en français. C'est pas un jeu qui est ultra compliqué en termes de compréhension. Loin de là, c'est même ultra simple. Mais avoir un jeu en VF, ça permet d'être toujours plus simple si vous jouez avec des gens qui n'ont pas trop l'habitude des jeux de cartes, des jeux de plateau, des jeux de ce type, c'est assez cool. Donc ça, je vous ferai une vidéo de présentation parce que, pour être franc avec vous, j'étais pas très emballé au début par ce jeu-là. Je me le suis pris et j'ai pas arrêté de jouer et franchement, il est excellent en fait. Donc il y a la boîte avec tout le jeu complet pour 2 joueurs. Si vous voulez jouer à 3 ou 4 joueurs, vous pouvez prendre une deuxième boîte. Si vous voulez jouer à 5 ou 6 joueurs, vous en prenez une troisième. C'est tout bête. Il y a des protège-cartes qui sont sorties. Alors ça, je voulais faire voir. Elles sont jolies, bien qu'elles soient classiques. Elles reprennent exactement le design du dos des cartes. Vous avez une boîte de rangement en plastique semi-rigide avec 2 compartiments qui se croisent quand la boîte se ferme. Donc ça voilà, c'est sorti aussi pour le jeu. Vous avez une boîte un petit peu plus grande qui permet de ranger 3 boîtes protégées comme ça à l'intérieur. Et à l'intérieur de ça, vous avez donc 224 protège-cartes, 4 séparateurs et 3 cartes promo. Donc voilà, vous avez 2 systèmes de rangement pour le jeu. Une boîte plus compacte si vous avez que une ou 2 boîtes. Et une boîte si vous avez 3 jeux pour pouvoir tout ranger à l'intérieur. Donc voilà, c'est une petite vidéo de livraison de jeux de cartes. Ma foi, je suis assez emballé
par, par Star Realms, par Doomtown comme d'habitude, par Game of Thrones et Netrunner, en fait par presque tout, hein, on va dire. Je vous ferai donc deux vidéos, la première sur Game of Thrones et la deuxième sur Netrunner Kalagoda. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux et sur la boutique. Salut les amis!